populaire occitane, accélérateur de projets, vous présente l'interview Objective News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur ObjectifNews.tv pour les rendez-vous des décideurs. Je suis en compagnie ce soir de Jean Pendanx. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Capital Angels qui regroupe à peu près 75 dirigeants d'entreprises qui investissent leurs fonds propres pour accompagner des projets en Midi-Pyrénées. Vous venez de fêter les 5 ans de l'association. Est-ce que vous tirez un petit bilan au bout de ces 5 ans ? Notre association effectivement a été créée en 2007. Et nous venons de fêter semaine dernière à Antioche les 5 ans de l'association. Donc nous avons réuni 150 personnes à cette occasion-là pour effectivement tirer un premier bilan de ces 5 années et ouvrir des perspectives pour le futur. Donc dire que l'association est une association qui vit bien, qui se développe, puisque nous sommes aujourd'hui environ 80 membres et qu'au cours de ces 5 années, nous avons investi 3 millions d'euros dans une quinzaine d'entreprises de Midi-Pyrénées. Est-ce qu'il y a eu une évolution au fil des 5 ans ou... Oui, l'association, alors, de par le nom, la première, l'élément marquant, c'est que le nombre de membres augmente. Et donc, qui dit davantage de membres, dit davantage de moyens financiers et dit aussi davantage de compétences, puisqu'il est important que vous sachiez que nous investissons de l'argent au capital des entreprises, mais surtout nous accompagnons des entreprises. Donc, je dirais que l'association avait besoin d'atteindre une taille critique d'environ 50 membres que nous jugions essentiels pour pouvoir offrir une palette de compétences plus large aux entreprises que nous accompagnons. C'était aussi important d'atteindre cette taille parce que ça a été aussi pour nous l'occasion d'avoir des moyens financiers suffisants via les cotisations des membres pour recruter un délégué général expérimenté, ce qui est chose faite depuis maintenant le début du mois d'octobre. Qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise décide d'investir sa propre épargne dans une autre entreprise ? Alors, ce qui fait l'intérêt finalement des chefs d'entreprise qui rejoignent l'association pour investir une partie de leur épargne, comme vous disiez, c'est généralement que c'est un investissement qu'on qualifie de passion ou de plaisir. C'est l'idée de mettre une petite partie de cette épargne, généralement pas plus de 5% parce que c'est relativement risqué, dans des entreprises, avec l'idée de servir quelque part l'économie réelle de la région, ce plaisir finalement de rendre à d'autres entreprises qu'on a souvent nous-mêmes reçues à un moment donné de notre vie, d'un ange qui venait nous aider. Voilà. C'est cette idée de rendre à la collectivité ce que la collectivité nous a souvent donné. Vous dites que c'est risqué, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'échecs ou de réussite de ces entreprises que vous aidez ? Alors nous intervenons auprès d'entreprises qui sont en phase d'amorçage très souvent, ce qui ne nous interdit pas de pouvoir faire de temps en temps quelques dossiers de développement. Enfin, le fond, le cœur de notre activité, c'est l'amorçage. Et les statistiques que nous avons, qu'elles soient régionales, les nôtres ou nationales, ou un peu plus de recul, l'ordre de grandeur, c'est que sur 50% des dossiers, malheureusement, disparaîtront. Voilà. Donc, notre objectif, c'est sur les 50% restants, quelque part, de récupérer notre épargne après quelques années pour la réinvestir dans de nouveaux dossiers. Quelle est la moyenne du montant investi par un Business Angels dans un projet ? Alors, en moyenne, quand nous intervenons sur un dossier, l'investissement global de tous les Business Angels réunis sur un dossier est de l'ordre de 200 000 euros. Et ce qui, individuellement, se situe entre 15 et 20 000 euros par dossier. Voilà. Donc, pour faire 200 000 euros sur un dossier, il faut que nous regroupions généralement à 10 ou 15 pour faire l'investissement. Et est-ce que ça suffit pour une entreprise à se développer ou à se créer ? Ou est-ce qu'elle doit, en plus, faire appel à d'autres sources de financement ? Alors, quand nous intervenons, le scénario idéal, que notre investissement soit couplé à d'autres apports de fonds propres, alors qui sont généralement soit des avances d'OSEO, soit de la région, donc c'est quelque part du cofinancement avec des dispositifs publics. Il arrive aussi que notre réseau co-investisse avec d'autres réseaux de Business Angels. Voilà, donc l'idéal, c'est quand on met 100 et que ça fait 300. Voilà, c'est ça ce qu'on recherche. Mais c'est vrai que souvent, quand on est aux phases d'amorçage, c'est très difficile d'avoir autre chose que du capital. Il y a d'autres Business Angels en Midi-Pyrénées ? Alors, aujourd'hui, nous sommes le seul réseau généraliste qui couvre l'ensemble de la région. Voilà, à côté de nous, il y a deux réseaux qui, eux, ne sont pas membres de France Angels, qui est donc la fédération qui fédère tous les réseaux. Et on peut citer effectivement Digital Place, qui est un réseau de Business Angels spécialisé sur l'éthique. Et on peut aussi citer un réseau de Business Angels à l'Aveyron, mais qui n'est tourné que vers les entreprises de l'Aveyron.
Comment vous sélectionnez les dossiers que vous accompagnez ? Alors, nous avons mis en place un processus de sélection très rigoureux avec différentes étapes. C'est un processus qui va durer de l'ordre de 3 à 6 mois quand même. Entre le premier contact avec un porteur de projet et notre décision d'investissement, c'est de l'ordre de 6 mois. Avec, je dirais, un entonnoir qui va nous amener d'une centaine de contacts par année à investir dans 5-6 entreprises à la fin. Il y a des critères, l'innovation, Oui, alors pour nous, le critère, c'est entreprise à fort potentiel. Voilà, donc ça, c'est un, je pèse les mots. Donc, et le fort potentiel, ça peut être soit par l'innovation technologique, mais ça peut être aussi de l'innovation marketing. C'est tout ce qui fait du fort potentiel. Ensuite, le deuxième critère qui est important, donc, c'est aussi la région. Donc, notre vocation, c'est d'accompagner l'entreprise de la région Midi-Pyrénées. Et le troisième critère essentiel, c'est le montant des fonds qui sont recherchés. Puisque pour nous, la fourchette dans laquelle nous intervenons, c'est de 100 à 500 000 euros. Est-ce que 2012 a été une année difficile ? Est-ce que vous, vous l'avez ressenti comme telle ? Alors, les statistiques nationales de France Angels disent que l'année 2012 sera une année moyenne d'investissement, en deçà de l'ordre de 20% de ce qu'avait été l'année 2011. Donc effectivement, nous avons ressenti, comme tout le monde, ce ralentissement. Bonne perspective pour 2013 ou pas ? Alors pour 2013, on a l'espoir que ça redémarre. Enfin, et on est tous prêts à accompagner des entreprises en ce sens. Avec quand même un bémol, c'est que nos membres qui prennent des risques avec leurs investissements, avec leur argent qu'ils mettent dans l'entreprise. Et en contrepartie, on a quelques avantages fiscaux à l'entrée. On espère que la loi de finances ne nous réservera pas de mauvaises surprises. Parce qu'effectivement, si ces avantages étaient perdus, ça pourrait peser sur le comportement de nos membres. Voilà. Donc, exception faite de ce point-là, on a toutes les raisons d'être optimistes. Merci Jean Pendanx. Merci, avec plaisir. Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.